Senhoras e senhores, os jogadores entram em campo hoje acompanhados de um time escolar local. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Regardez les tribunes du Maracana, c'est un véritable plaisir pour les yeux, quelle ambiance! On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Je pense que ça pourrait être un match pour Pedri. Il a toutes les qualités d'un joueur offensif. Le talent, l'instinct et le combat. Il va avoir du boulot parce que son équipe compte sur lui pour la récupération et la distribution du jeu. Mais c'est avant tout un joueur qui se met au service de ses coéquipiers. Mais s'il est en forme aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. C'est osé. Attention, ça peut aller très vite. Et il le dépossède du ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, voici Del Piero. Cristiano Ronaldo ! Cristiano Ronaldo ! Et le ballon est sorti. Touche. Attention là. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. C'est vrai, mais il n'y a pas de raison de prendre des risques inconsidérés non plus. La passe est précise. Messi ! Gros sauvetage, il était parfaitement placé. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Oh, Messi ! C'est intercepté, attention. Il trouve son coéquipier. La défense ne l'a pas laissé se retourner, c'est bien joué ça. Allez, ça peut faire mal. Il vise le second poteau. Bien joué, il y avait danger. Ce sera le premier corner du match. Corner mal négocié, le contre à suivre. Attention, la roue tourne. Il accélère côté droit. Oh, c'est intercepté. Quel timing dans l'interception. Dommage que ça ne soit pas allé au bout. C'était une bonne occasion. Danger repoussé pour le moment. Rabiot. Il avance bien. Oh, Lampard. Oh, il faut s'appliquer sur ses gestes. Oh, Messi. Une occasion. C'est parti.
s'y mettre. Il allonge le jeu. Il se rattrape bien. Non, il n'a pas joué le ballon là. Abraham. Voici Giroud. Messi. Ça peut partir en contre. Il s'enfonce côté droit. Il est passé. Bien joué à droite, il faut aller vite. C'est Messi qui centre. L'arbitre accorde un corner. Flamengo va tirer son deuxième corner dans cette rencontre, alors que leurs adversaires n'en ont eu aucun pour l'instant. Pas très bien joué, ça. Attention au contre. Ah oui, superbe transition. Mais le ballon a franchi la ligne. Messi. Oh Messi. Cristiano Ronaldo. Ça s'est joué à rien. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Pavard. Oh Messi. Le bon dribble. Il récupère le ballon. C'est une remise en jeu. Rabiot. La bonne passe. La passe dans la profondeur. Bien servi. Il s'en tire bien sur ce contre. C'était chaud. Oh oui, c'était une grosse intervention, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. Il avait fait le plus dur pourtant. Il a peut-être manqué de lucidité dans le dernier geste. Dommage. Voilà qui met un terme à cette première période. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Écoutez, ils ont terminé très fort en se créant pas mal d'occasions. Et clairement, s'ils repartent sur les mêmes bases en seconde période, eh bien ça ne m'étonnerait pas qu'ils ouvrent rapidement le score. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Flamengo, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Lampard. Oh, la belle contre-attaque. Non, ça manque d'application. Sabitzer.
Renan Lodi. Il s'échappe le long de la ligne. Pedri. Messi. Bonne lecture de la trajectoire. Peut-être une occasion pour Messi. C'est vite récupéré. Va-t-il en profiter? Oh, la frappe! Le poteau! Messi. Il était attentif. Bien joué. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Oh, que ça va partir vite. Oh, ça, Cristiano Ronaldo! À côté. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. Oh, Cristiano Ronaldo! Del Piero! Rabiot! C'est un bon mouvement! Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Ah, c'était pas mal! Mais le ballon est perdu! Oh, Messi! Et ils vont effectuer cette touche. Substituição em andamento. Il met le pied, ballon récupéré. Et ce sera une faute. Passe à gauche pour quelques centimètres. Oui, c'était un très bon tir. Avec un peu plus de réussite d'ailleurs, c'était dedans. Petite précision, ce sera leur troisième corner. Alors que l'équipe adverse n'en a eu aucun jusqu'ici. C'est un nouveau corner, ils doivent en profiter. Bien, ce sera leur quatrième corner. Alors qu'en face, ils n'en ont pas eu un seul. Danger écarté, ça repart. Oui, ça peut faire mal. Il cherche son coéquipier. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Il passe en retrait au gardien. La bonne sortie du gardien. Azpilicueta. Lampard. Et ça peut partir en contre. Il est passé. Il continue son action. Il est intervenu. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué long, attention. Abraham. Et le centre bien placé. Bien, un peu de répit. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Rabiot. Attention!
perdu, c'est dommage. Il sonne la charge. Flamengo cherche à faire la décision dans les dernières minutes. Il y a peut-être un coup à jouer. Il est servi. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. C'est joué dans l'espace. Quelle passe. Et il ne résiste pas, ballon perdu. Ce contre peut très bien aller au bout. Le bon dribble. Ah, oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Maignan. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Il frappe au but. Ito. Une longue passe vers l'avant. Possibilité peut-être pour Giroud. Le jeu repart vers la droite. Abraham. Et le cadre se dérobe largement. Il peut tirer. Et la défense pousse un gros rouge de soulagement. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Il y va tout seul. Il est passé. Cristiano Ronaldo. Et l'arbitre signale la fin du match. Ça s'est joué à rien dans ces dernières secondes. Ah, les défenses ont été bonnes, les gardiens aussi, et les attaquants n'ont pas eu de réussite aujourd'hui. Aucune des deux équipes n'a pu faire la différence. On passe maintenant à la terrible séance des tirs au but. La pression monte maintenant. La séance des tirs au but va bientôt commencer et c'est toujours, toujours une loterie. Del Piero pour le premier tir au but de cette séance. Oh, c'est bien frappé, rien à dire. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbement placé. Giroud qui se prépare pour son face-à-face. Il marque lui aussi. Un partout. Et ça fait un partout. Messi qui se présente comme deuxième tireur. Il a vraiment eu les nerfs sur lui. Ça n'était pas facile de le mettre. Abraham qui va frapper le deuxième tir au but. Ça paraît simple comme ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Et nous sommes quasiment à mi-chemin dans cette séance. La parade du gardien. Oui, mais il est trop fort là, le gardien. Regardez, à mon avis, il a réussi à déconcentrer le tireur. Le moment est venu pour le capitaine de montrer l'exemple. Il a raté ce penalty. Ah, c'est dommage, c'était presque parfait. Il avait battu les gardiens. Malheureusement, ça ne rentre pas. Nous en sommes donc au quatrième tireur. Oh, le gardien, la parade. Ouais, superbe intervention du gardien. Vraiment, c'était un penalty très, très compliqué à arrêter. C'est désormais au tour de leur quatrième tireur.
Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable, il ne laisse aucune chance au gardien. Au bout de son pied, il y a l'espoir ou la mort. S'il ne marque pas, c'est terminé. À côté, c'est fini. Et bien sûr, le gardien se sent coupable. C'est toujours extrêmement difficile de perdre dans une séance de tir au but. Souvent, le public adore ces moments-là, mais il faut dire que c'est très compliqué, très difficile à encaisser lorsque vous perdez une séance de tir au but comme ça. Voilà, Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Et à très bientôt à tous. Salut. Mais avec plaisir, on remet ça quand vous voulez.